C'est lancé. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'Association des éleveurs et bergers du Vercors de nous recevoir à votre Assemblée Générale. J'étais déjà présent l'année dernière dans cette même salle avec le secrétaire général Jean-Luc Briand pour vous témoigner de notre solidarité vis-à-vis de notre préoccupation commune sur l'explosion démographique et l'omniprésence du loup dans notre département. Il y a quelques mois, Annette nous a demandé de vous présenter l'étude que nous menons sur le loup à l'aide d'enquêtes auprès de nos chasseurs et des pièges photographiques. Je vais vous faire un petit aveu quand même. C'est la première fois que nous présentons cette étude au public. Nous ne l'avons jamais présentée à ce jour. Nous l'avons présentée uniquement au service de l'État, à la région qui nous finance à 50% sur ce dossier et à nos partenaires de terrain qui nous aident et qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. En préambule de cette restitution, je suis heureux de vous présenter Mallory Randon, qui est à ma droite. Donc, Mallory est du service environnement de la FDC 26, chargée du dossier loup, entre autres, elle ne fait pas que ça, malheureusement. Comme je la connais et que je connais sa modestie, donc Mallory est technicienne supérieure à la Fédération. Elle est arrivée, j'ai l'habitude de le dire, en même temps que le loup dans la Drôme. Elle est arrivée en 2001 et depuis 2003, elle étudie le prédateur, je dirais même le grand prédateur, sur son développement et la problématique de sa prédation sur la faune sauvage. Elle travaille en partenariat avec la faculté de Montpellier et vient de terminer une publication scientifique en cours de relecture et qui devrait paraître courant 2019 dans une revue scientifique. Je m'excuse, mon anglais est très approximatif, alors je vais vous la faire en français, ça s'appelle Population écologie. En anglais, ça ne sonne pas pareil, mais bon. Au risque de la faire rougir, je peux affirmer que Mallory est la meilleure spécialiste du loup dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau des fédérations de chasse. Je tiens également à la remercier d'être présente aujourd'hui. Elle a annulé des obligations familiales pour être avec nous. Bien. Avant de démarrer, donc vous allez voir, ça va se passer en une quinzaine ou 17 diapos commentées par Mallory qui va vous les faire. Moi, je pense que ça serait plus sympa, si vous avez des interventions à faire, dès que la diapo et que l'intervention est finie, vous posez une question, ça va être plus actif et ça sera moins un petit peu rébarbatif, peut-être pas rébarbatif, mais je pense que ça sera plus sympa. On se connaît tous, donc je pense que ça sera beaucoup plus sympa comme ça et on essaiera de vous répondre au fur et à mesure de vos interrogations. Voilà, merci, je passe la parole à Mallory. Voilà, donc comme l'a dit Michel, je suis arrivée en 2001 dans la Drôme, en même temps que le loup, malheureusement. En même camion peut-être. Donc quand je suis arrivée, ben, j'étais toute jeune, hein, je sortais de l'école. En même temps que le loup, j'ai eu le secteur d'affectation donc, du Royan, Vercors, toute la vallée de Gervanne. Et très rapidement, on a trouvé les premiers cadavres. Les chasseurs nous ont dit « Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va falloir raccrocher le fusil ?» Voilà. Moi, je n'avais pas d'éléments de réponse. On a trouvé quand même rapidement des portes fermées. Et en fin de compte, le seul moyen qu'on a trouvé au niveau de la Fédération des chasseurs, c'est d'essayer de rentrer par le biais du réseau Grand Prédateur Loulinx. Et puis en même temps, d'écrire un petit peu, enfin de rentrer tout ça par une étude scientifique. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc en fait, il y a eu deux temps. Voilà. Il y a eu un premier travail qui s'est inscrit avec l'Université de Montpellier et l'Université de la Sorbonne. Ça s'appelle le diplôme de l'école pratique des hautes études. Voilà. Donc là, j'avais proposé la fédération avec un partenariat de nos chasseurs de terrain un travail plus sur les proies. Comment les proies allaient réagir à la présence du prédateur. Donc tout ce qui est fait direct et indirect. Donc ça s'est inscrit dans ce diplôme. De 2007 à 2010, j'ai publié le mémoire fin 2010. On a continué cette étude après 2010, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on a pris une série temporelle de 2001 à 2017. Et c'est cette série-là qui va faire l'objet d'un article scientifique prochainement, qui est en cours de relecture par des scientifiques internationaux. Voilà, et qui sera publié normalement sur Population écologie. Donc ça peut arriver la semaine prochaine, ou ça peut arriver dans 2 mois, dans 6 mois. Voilà, c'est très très long. En attendant, on l'a mis quand même à disposition sur Internet. Donc si vous tapez en anglais, alors vous m'excuserez, hein, j'ai pas non plus un super anglais. Vous tapez Wolf, Vercors et Roe Deer, c'est pour le chevreuil. Et normalement, vous devriez trouver au moins la partie brouillon de cet article-là. Bon, il est en anglais, il y a 33 pages. Donc on vous fera une version française, mais on a l'autorisation de la faire qu'une fois que l'article est publié. Roe Deer, R-O-E-D-E-R.
Et puis on a voulu, on a toujours souhaité au niveau de la fédération continuer à travailler sur le prédateur pour comprendre justement ce qui allait se passer. Et c'est un petit peu l'idée de ce qu'on vous présente là par la suite, les pièges photographiques. On voulait essayer de comprendre comment le prédateur maintenant, un petit peu ses déplacements, son expansion, et puis essayer de voir avec une technologie un peu plus moderne si on arrivait à déterminer le nombre de loups présents sur certaines zones. Hein, c'est pas sur tout le département parce qu'on ne peut pas suivre de partout. Mais voilà. Ce que je, pour les deux études, ce qui est important de préciser, il y a les échelles de travail qui sont souvent nationales, départementales. Ça peut être par massif. Hein, dans la Drôme, on est en groupement de gestion cynégétique. Mais après, il y a l'échelle à laquelle on perçoit l'impact du loup. Et c'est souvent l'échelle des communes, voire même de micro-communes, de petites zones, voilà, de zones d'hivernage ou autres. Et c'est bien là où on subit l'impact du loup. Et c'est là où, quand on va sur le terrain, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas d'impact du loup à l'échelle du département. C'est vrai, à l'échelle du département, pour le moment, ça ne réagit pas trop mal au niveau de nos faunes sauvages. Par contre, quand localement, vous allez sur des communes comme Vassieux, comme Bouvante, comme Léon, d'autres secteurs dans le département, quand vous leur dites qu'il n'y a pas de problème avec le loup, bon, il faut courir vite. C'est bien à l'échelle humaine, à l'échelle où on vit, qu'il faut regarder cet impact du loup. Photo suivante. Donc du coup, je vais rebondir un peu à ce que disait M. Baudouin en entrée. Nous, on a eu voilà, des fonds publics par le biais de la région, hein, donc des CPO, sur lesquels on nous a donc subventionné une partie. On nous a demandé de faire un suivi par piège photographique. Donc je ne vous cache pas que pour nous, c'était intéressant. Tout simplement parce que, un, on avait aussi moins de temps, on travaille sur d'autres dossiers à la Fédération, c'est pas que le loup, hein, c'est pas, j'ai pas que ce dossier-là au niveau de la Fédé. Donc on avait de moins en moins de temps pour être sur le terrain, il faut pas non plus se cacher, il y a de moins en moins de neige, et c'est là, au moment de l'hiver et sur la neige, où on arrive à détecter le plus grand nombre de loups et le plus facilement. Donc du coup, cette enveloppe de la région sur les pièges photographiques était vraiment tombée à un point nommé. Il y a plusieurs fédérations de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont eu cette enveloppe-là. Donc il y a la Savoie, la Haute-Savoie, sur le loup. Il y a le Puy-de-Dôme sur le loup et le lynx. Il y a l'Ain pour le lynx. Et donc nous, on est parti uniquement pour le moment sur le loup. Donc peut-être qu'on arrivera à attraper des photos de lynx, mais ce n'est pas le cas pour le moment, et puis on ne pose pas les pièges de la même manière. Juste une petite précision sur les subventions donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est des subventions qui sont liées à des CPO auxquelles nous avons abondé sur certains points. Il y a 12 ou 15 textes sur ces CPO. Nous avons abondé sur plusieurs. Et donc, toutes ces CPO sont financées à 50%. C'est-à-dire pour 1 euro que nous apporte la région, nous, fédération, nous apportons la même somme en face. Donc, généralement, ce sont des subventions qui sont sur du matériel et pas sur du personnel. Et nous, nous assurons les charges du personnel en face. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Que ce soit interactif. Je me sens un peu seule. Voilà, donc je vais sûrement vous apporter plein d'informations. Ce ne sera peut-être pas forcément toujours lié à la diapo, mais on va essayer de construire tout ça. Ce que je voulais dire aussi, par rapport à cette enveloppe piège photographique, sur le moment, il y avait donc le suivi du loup au niveau de la FEDE, du réseau Grand Prédateur. Mais dans ces technologies-là, je vais vous les présenter après. La plupart de nos chasseurs, enfin en tout cas ceux que je rencontre, sont aussi éleveurs ou fils d'éleveurs ou cousins d'un éleveur, d'un agriculteur ou autre. Et plusieurs fois en discutant avec eux, voilà, on a abordé la question du loup dans tous les sens, l'impact sur les troupeaux domestiques, sur la faune sauvage. Et à un moment donné, quand on a eu cette enveloppe, je me suis dit, il y a peut-être un test à faire justement sur certains types de pièges qui pourraient peut-être venir en renfort de l'éleveur. Donc c'est ce qu'on va vous présenter en fait aujourd'hui. Voilà, donc quand on a eu ces pièges, on a dit voilà, quel objectif on se fixait, de façon à ce que ce soit complémentaire avec la première étude qu'on avait menée sur le diplôme PHE, qui était focalisé plutôt sur les proies. Là, on s'est dit, on va plutôt regarder le prédateur. Donc l'idée, c'est d'améliorer nos connaissances sur le prédateur, voir si on arrivait à mettre en évidence une meute, éventuellement une reproduction. Et puis les données qui m'avaient manqué, moi, à l'époque de l'EPHE, c'était d'essayer de comprendre s'ils avaient... on s'en doutait, on a du ressenti, hein. Mais voilà, en France, le ressenti... Il faut toujours prouver de manière scientifique, de manière technique. Le ressenti, on ne le prend pas en compte. Et pourtant, il s'avère juste, pas dans 100% des cas, mais presque. Donc l'idée de ces pièges photos, c'était de montrer si on avait des passages récurrents, si on arrivait à détecter une périodicité, un petit peu tout ça. Voilà, des horaires de passage, des déclenchements. Bon. On regarde encore tout ça, hein, on n'en est qu'au début. Hein. Et puis on s'est dit, on va essayer de tester le GSM. Donc c'est le piège photo GSM, je vous le montrerai après.
autour du troupeau pour voir s'il pouvait venir en renfort d'éleveur. L'idée, c'était de se dire, bah, est-ce qu'on arriverait à choper le loup avant qu'il arrive sur la zone d'alpage, et puis voir si effectivement, avec l'éleveur, les éleveurs qui ont participé à cette étude, voir si effectivement ça lui permettait d'être plus présent sur sa zone, faire du bruit, limiter l'impact du loup ou la prédation. Ça, c'est quelque chose qu'on aura quand même du mal à confirmer. Bon, vous allez voir à travers l'étude, on y reviendra dessus. Là, ce qui s'est passé dans le cas que je vous montrerai après, donc on était, c'était un samedi aussi, voilà, on était tous en famille, et d'un seul coup, le téléphone a sonné, paf, photo du loup. Donc on s'est tous appelés, parce qu'on venait juste de déposer ces pièges, et on s'est dit, bon, est-ce que c'est bien du loup, hein? Parce que sur le moment, voilà, la photo qui est envoyée sur le portable, elle est de qualité un peu basse, moyenne, pour justement elle soit envoyée rapidement. Quand le loup passe devant le piège photo, dans les 20 secondes, elle est envoyée sur le portable. Donc on s'est appelé, on a dit, oui, pas de problème, il y a du loup. Il me dit, je suis sur zone, voilà, je suis à 80 mètres du piège, donc je vais aller voir. Il a fait du bruit. Il a quand même eu une attaque. Maintenant, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a eu des bêtes? Il ne s'en est pas forcément rendu tout de suite compte. Est-ce qu'il y a eu moins de bêtes prédatées parce qu'il a fait du bruit et qu'il était présent? Ça, on pourra peut-être jamais le dire. La configuration du terrain et la végétation qui est présente aussi n'a pas aidé pour qu'il puisse voir le loup. Voilà, ça dépend de plein de paramètres. C'est pour ça qu'on étudie différentes zones, justement, pour voir cette configuration du terrain, la pente, la végétation. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et on en est qu'au début. Là, on va attaquer le troisième été. C'est une étude qui demande à vivre sur sûrement les 10 prochaines années pour pouvoir arriver à sortir quelque chose. Mais les gens qui nous attaquaient un petit peu sur le piège photo disaient « Oui, mais vous allez mettre du piège photo, ça va aider, vous m'excuserez, je vais parler vulgairement, mais à flinguer du loup. » Bon, ben là, on a l'exemple où, de toute façon, l'éleveur était sur zone, il était à 80 mètres du piège photo, le loup était là, il a attaqué, il n'a pas pu le voir, il n'a même pas forcément entendu ses bêtes ou autre. Et puis ça a duré plusieurs jours de suite. Donc c'est pas parce que vous avez un piège photo que ça va forcément vous aider à tuer le loup. Voilà. Mais en tout cas, l'éleveur le dit après coup, psychologiquement, ça a tout changé. Le fait qu'à un moment donné, il voit le loup, enfin, en tout cas, il avait la preuve, il a pu le montrer au service de l'État, au lieutenant de l'obétrie, ça a changé toute la donne. Mais grâce aux photos, en fait, il a pu avoir un dispositif plus rapide des présences de lieutenant de l'obétrie sur zone, pour pouvoir un petit peu protéger son troupeau. Voilà. On a des cas comme ça aussi, les collègues de l'Ardèche nous avaient sollicité à un moment donné, où ils avaient des attaques, donc ils n'avaient encore pas connaissance du loup, où le collègue a fait beaucoup de photos, et les éleveurs ont pu être indemnisés après coup, justement grâce aux photos qu'il avait pu faire. Donc c'est un petit peu dans cette idée, je pense que c'est un bel outil qui peut aider, mais on ne mesure pas encore à quel point il peut aider et comment. C'est grâce à ces outils que la mesure 13 loups a été prise en photo. Oui, c'est avec cet outil-là, oui. Moi, j'ai un exemple aussi, dans l'Isère, toujours le même service, la BDT 38, la génisse, elle a été mangée à la fesse, complètement mangée sa fesse. Pas du loup, c'est pas possible. Le loup, il n'attaque pas aux fesses, il attaque au cou. Tu parles d'une génisse qui avait 8 mois pour l'attaquer à son cou, donc elle a choisi de mordre le talon d'Achille, de mordre les endroits vulnérables, où après vous boitez, et après on vous attaque aux fesses, donc c'est facile, il a mangé la moitié de la fesse. C'était pas du loup. Il a mis un piège photo, la nuit d'après, le loup est repassé. Donc il a été obligé d'indemniser. Après une procédure, quand même. Il a fallu y aller, il a fallu se faire un problème. C'est pas du préventif, mais c'est du préventif. Je voudrais faire une remarque. On est au 21e siècle, on envoie des sondes sur Mars, sur Pluton, sur au-delà, sur des milliards de kilomètres. Chaque fois que je vois un documentaire sur les loups, ils ont tous un collier. Je ne peux pas rater ça. Alors pourquoi on ne les puce pas? Parce qu'on dit qu'on ne peut pas les avoir, machin, on vous fait un film donc, pour voir un loup qui parle de Roumanie, qui va en Babylonie orientale, machin, etc. On nous raconte des conneries, manifestement. Alors qu'avec une puce, alors, c'est vrai que l'inconvénient de la puce, elle peut être détectée par les bergers, mais elle peut être détectée par les chasseurs. C'est peut-être là la question qu'ils ne veulent pas mettre en place. Parce qu'une puce, ça permet d'anticiper, ben, je veux dire, vous n'avez pas besoin de voir, là. Un émetteur, un récepteur, et puis bon, ben, la galère. Non. Pour le mettre des puces, il faut les attraper. Quand même. Oui, non, mais attendez. Voilà, donc là, je vais vous parler un peu plus technique. C'est le matériel qu'on a choisi. Et j'en profite pour vous présenter mes deux acolytes. Donc on est vraiment quatre à la Fédé à travailler sur ce dispositif-là. Donc il y a Jérôme Guillou sur le Nord Drôme,
donc plutôt Royan-Vercors, hein, la zone là. Et puis vous avez Ludovic-Fellay qui est sur le sud, donc le secteur de la Roanne. Et puis on a notre élu, la Michel Saint-Jean, qui aime bien venir avec nous dans les falaises pour aller relever ses pièges photos. Voilà. Il faut être un peu fou pour aller mettre les pièges photos là où on les met. Voilà. Il faut aller les chercher. Donc cette année, ça m'a coûté cher. Hein. Ça m'a coûté une fracture et une double entorse. Un petit peu. Voilà. Donc, au niveau du matériel, vous avez tout type de pièges photos. Maintenant, vous pouvez en trouver à 100 euros sur Internet. Mais ça dépend de tout ce qu'on veut faire. Nous, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui vend du matériel et qui est en train de développer son propre matériel de pièges photos. On a été hyper bien conseillés. Il nous a mis plein de pièges à disposition, de marques différentes. Donc, on les a quasiment tous testés. Et on peut vous conseiller là-dessus. Hein. Mais voilà, à un moment donné, si on a chopé cette meute de 13 bouts, c'est simplement parce qu'on avait la Rolls-Royce de pièges photo, c'est le Reconyx, donc il coûte hyper cher. Hein. On a des très bons prix, donc on pourra vous en faire bénéficier si jamais il y avait besoin. Quoi. Mais sans ce piège-là, on n'aurait pas détecté la meute de 13 bouts, on aurait détecté les trois premiers et les trois derniers. Voilà. Tout simplement parce que ce matériel-là, le Reconyx, il déclenche, c'est même inchiffrable, la meute de 13 bouts, on a plus de 200 photos en moins de 10 secondes. C'est-à-dire que une mouche qui est devant l'appareil, il la détecte et il vous prend autant de photos qu'elle reste devant. Donc c'est une précision, enfin voilà, c'est la Ferrari des pièges photos. Voilà. On a essayé les Bushnell, hein, les Bushnell fonctionnent très bien, en rapport qualité-prix c'est déjà bien pour commencer, mais comme je vous dis, on n'aurait pas détecté cette meute de 13 loups. On les avait avant sur la première année. Donc sur la meute de 13 loups, la première année, on en avait détecté 9. Sauf qu'on ne pouvait pas forcément dire 9, puisqu'on en avait 5 assis sur la photo, vous la verrez après. Et 12 secondes après, on en a 4 qui passent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire de manière certaine qu'il y en ait 9, qu'il y en avait 5, peut-être 4, ou ça peut être 4 des 5 qui avaient fait demi-tour derrière le piège. Voilà. Donc on avait déjà ce doute l'année dernière. On a changé les pièges photo l'été dernier, et du coup, ben, ça a déclenché voilà, sur cette note de stress. Et donc, il y avait les appareils GSM aussi. Donc le GSM, la particularité, c'est qu'il envoie la photo tout de suite. Donc il fait une série de 3 photos, il nous envoie la première. Soit il l'envoie par SMS, soit il l'envoie par mail. Nous, on est parti sur un mail, ce qui permettait de le mettre à disposition des éleveurs de la zone. Ce qui fait que et les techniciens de la Fédé, et les éleveurs avaient la photo en même temps. Le premier qui ouvre la photo avait ordre hein, de communiquer tout de suite aux autres. Parce que si moi, le matin, je me lève, je regarde la photo, je vois qu'il y a un loup qui vient de passer à l'instant, et du moment que j'ai ouvert la photo, l'éleveur n'est pas averti. Donc je dois l'appeler tout de suite. Mais c'est pas simple, ces GSM. Il y a tout un paramétrage qui est hyper compliqué. Moi, j'y ai passé des heures et des nuits entières à y réfléchir. Et comme en plus, on est sur des zones de montagne, d'un mètre à l'autre, vous avez le réseau qui ne passe pas. Ou alors, vous faites 2 mètres, vous avez Orange. 3 mètres, vous avez Free. 4 mètres, vous avez SFR. Voilà. Donc on est parti sur des cartes multi-opérateurs. L'entreprise est basée à Montpellier, ils ont été aussi hyper réactifs, ils nous ont donné beaucoup de renseignements. Et du coup, ça limite aussi dans le choix des appareils. Du coup, c'est aussi un problème, hein, c'est qu'on n'a pas forcément pu mettre les GSM là où c'était peut-être plus intéressant de les mettre. Donc la pose de ces appareils est plus long et plus fastidieux que les autres qu'on récupère qu'une fois par mois, parce qu'une fois qu'ils sont posés, ils vivent, ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, les GSM, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que vous venez de dire, c'est vachement important parce que ça veut dire que tous les appareils photo, s'ils sont de basse qualité, comme vous venez de le dire, on ne prend peut-être que la moitié du nombre de loups partout, au niveau national. Okay, mais entière, hein, je vous dirais. Au niveau national, je vous dis. Hein. Donc, un exemple, dans les Vosges, ils prennent tout le temps qu'un seul loup, mais on ne sait jamais s'il y avait un deuxième ou un troisième loup derrière parce que les analyses génétiques, et plusieurs fois aussi, ils ont vu 3 loups et l'ONCFS annonce toujours qu'un seul loup. Donc, s'ils ont du mauvais matériel, ils ne voient en photo qu'un seul loup. Après, on fait aussi en fonction du moyen. Hein, alors la question, c'est qu'est-ce qu'utilise l'ONCFS comme matériel? Alors l'ONCFS, normalement, a des Reconyx. Normalement. Après, on a des pièges où on a des photos de personnes qui se promènent. Donc à chaque fois, on met une petite pancarte en disant que c'est un piège pour le suivi de la faune sauvage. Partenariat donc la Fédé avec le conseil régional. Généralement, les gens le prennent bien et le font. Voilà, coucou dans le piège, il n'y a pas de souci. Nous, dès qu'on récupère la carte SD, on détruit toutes les photos des personnes. Hein, cette obligation-là. Sauf que là, c'est pas le touriste lambda qui nous a fauché ces appareils.
c'est quelqu'un qui suivait les loups comme nous, parce que là où on les a posés, je vous garantis, enfin, si ça m'a coûté une jambe, c'est que c'est des zones quand même qui sont difficiles d'accès. Donc voilà, c'est quelqu'un qui suivait le loup, ou à un moment donné qui nous a surveillés, et voilà, il nous a fait une ligne importante de piège qui nous donnait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Donc même pour nous, psychologiquement, ça a été très dur. Quand vous arrivez sur zone que votre piège il a été volé, c'est des mois et des mois de boulot qui sont jetés à la poubelle. Et puis pour nos chasseurs de terrain qui participent à nos éleveurs, pour qui on a mis en place, quand on leur dit, ben voilà, on vient de se faire voler le piège, on ne peut pas te donner d'infos. Voilà, psychologiquement, ça a été quand même très très dur. Le préjudice dans l'appareil. Oui, bon, après il y a le préjudice financier, mais c'est, voilà, c'est psychologique le plus, quoi. Donc les zones d'études. Donc on est parti sur deux zones de présence permanente. La première, c'est la zone de présence permanente historique. Hein. Quand moi je suis arrivée, c'est là où les loups sont aussi arrivés. Bizarrement, j'habite juste dessous. Donc c'est Bouvante-Léoncel, voilà. Là, on s'est dit, on part sur cette zone-là parce que moi, je la connais par cœur. Je connais tous mes gars de terrain. Je savais que j'aurais leur adhésion, qu'on aurait l'accord des propriétaires pour poser ces pièges-là, qu'on aurait les éleveurs sur zone qui pourraient nous surveiller. Voilà. La deuxième zone, c'est une zone que j'avais déjà choisie dans le cadre de mon diplôme au PHE, la Rouanne, et qui était une zone, à l'époque, sans loup. Voilà. Et dans le diplôme, j'avais déjà dit en 2010, ce serait une zone très prochainement avec présence de loup, ce qui a été le cas. On avait du mal à estimer la population de loups sur cette zone-là, tout simplement parce que déjà, il n'y a pas de neige. Et ce que je disais, la principale donnée pour savoir s'il y a du loup ou pas, et le nombre, c'est souvent sur un pistage hivernal. Donc on avait un écho de 2-3 loups sur la Rouanne. Alors on s'est dit, on va mettre des pêche-couteaux, et puis on verra ce que ça va donner, quoi. Et effectivement, ça a répondu très très vite. Voilà, donc la deuxième zone, c'est Volvan-Chalancon. Donc toutes les photos que vous voyez hein, sont issues de nos pièges photos. Hein, c'est... Donc celle-là, elle est un peu surexposée, mais on a un joli loup bien costaud. Donc on a constitué un groupe de travail local et restreint. C'était une demande de nos partenaires. Quand on leur a expliqué un petit peu le projet, ils ont dit donc pas de soucis, mais pour le moment, on communique pas, on fait ça entre nous, parce que justement, on veut pas voir arriver, je vais reprendre le mot que dit M. Baudouin, les escrologistes. Voilà. Donc on a mis, chacun des pièges a été mis en place sur le terrain, avec soit les présidents CCA, soit le chasseur référent local. Généralement, le propriétaire du terrain, quand il a pu venir avec nous, on a même les maires de ces communes-là, alors pas toutes les communes, hein, mais qui sont venus aussi avec nous sur le terrain et qui se sont pris au jeu, donc ont même aussi acheté des pièges photos. De temps en temps, ils nous font passer aussi quelques infos. Voilà. Et les éleveurs. Voilà. Donc on a posé les GSM avec les éleveurs autour du troupeau. On a essayé de comprendre comment leur troupeau pâturé, les zones de chaume. J'utilise peut-être pas forcément les bons mots, mais voilà. Donc on les a mis avec eux. Ils ont vu toute la complexité pour le paramétrage des appareils. On a paramétré leur téléphone aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui roule maintenant. Voilà. Donc quelques photos maintenant sur les résultats. Dès la première semaine, sur les deux zones, on a eu tout de suite des résultats. Donc la première photo, la plus à gauche, on est sur Léoncel. Alors c'est difficile à travers une photo de dire si c'est un mâle ou une femelle. Il y a de temps en temps, il arrive quand il passe très très près du piège, mais voilà, c'est pas la généralité. Bon, nous, on l'a surnommé la louve, hein, tout simplement parce que juste après, on avait le petit louveteau. En bas, voilà, mais bon, c'est peut-être plus rien. Hein. Elle avait une petite blessure à l'œil. On l'a parfois sûrement retrouvée, hein, c'est peut-être pas une blessure définitive, mais voilà. Et la photo du haut, ben, c'est la première semaine aussi, sur la zone de la Rouanne. C'est un piège photo, au départ, vu comment il était placé, on savait qu'il pouvait justement répondre très très vite. C'est douté que ce serait un passage à loup. Ce qu'on craignait, c'est qu'on était sur un GR à proximité. On s'est dit, celui-là, on va le surveiller régulièrement parce qu'on avait peur de se le faire faucher. Ce n'est pas le cas. Quand on est arrivé, il y avait 2000 photos. En fait, il n'y avait pas de touristes. C'était la moindre végétation, hein, un petit brin de lavande. Et alors là, ça vous envoie 2000 photos. Donc sur le moment, on s'est dit, aïe, on a eu mal aux yeux. Et puis en fait, les toutes dernières photos, il venait de passer juste avant nous, le loup. Donc oui, il y a
il y a le paramétrage des pièges, mais il y a aussi toute la configuration du terrain qui fait que quand vous laissez un piège un mois, c'est le maximum, il faut vraiment y aller, parce que rien qu'un petit coup de vent ou l'entrée du soleil, de la lumière sur le piège va vous déclencher. On arrive des fois, on a 30 ou 90 000 photos sur le piège, quoi. Donc ça vous bouffe toutes les piles, ça vous sature la carte SD et nous aussi, on sature à regarder toutes ces photos. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui. Parce qu'on a dit que c'était... Bien sûr. Là, on voit ce loup dans la nature. Est-ce que c'est régulièrement que vous voyez le loup dans la nature ou est-ce que vous le voyez sur les chemins? Alors, on le voit partout, enfin, on le voit là où on pose nos appareils, je vais dire tout bêtement, mais on peut le voir aussi bien sur les chemins que n'importe où, bien sûr. Ben, la meute de 13, hein, on la verra tout à l'heure, elle est sur une piste qui fait 10 mètres de large. Hein. Donc, on nous a montré, on part de le voir quand on n'est pas le site, c'était toujours des loups sur des sentiers de randonnée, donc des grandes randonnées. Oui, donc nous, c'est vraiment de partout. En fait, nous, on va surtout sur zone, dans des passages, dans des passières, parce que comme on a un nombre, même si on a pas mal d'appareils, puisqu'on a 35 appareils qui sont posés par zone, enfin sur des zones. Donc si vous voulez, le problème c'est qu'on essaye de faire centraliser nos appareils dans des endroits, dans des passières, dans des passages obligés, où ils sont obligés de sortir, je pense à Mouvante ou je pense à certains secteurs. Si vous les mettez n'importe où, on va avoir peu de clichés. Si on les centralise dans des passières, dans des zones de passage obligés pour aller prédater sur Ambel ou ailleurs, toutes les chances de les prendre beaucoup plus souvent. Donc on essaie de les positionner dans ces zones-là, on essaie de réfléchir, on les déplace, et une fois qu'on a trouvé une place, on y reste, et on essaye. Donc je voulais rebondir sur ce loup qu'on voit distinctement, qui a un problème à un œil. Bon, celui-là, on l'a pris plusieurs fois, on en a pris plusieurs. Et on nous demande toujours, est-ce que vous êtes capable de reconnaître des loups? On en est parfaitement incapable. Aujourd'hui, celui qui vous dira qu'il reconnaît les loups parce qu'il a l'habitude, c'est pas vrai. Il n'y a aucun ordinateur, aucun système aujourd'hui au point dans le monde qui fait de la reconnaissance faciale sur loup. Ça existe sur le lynx, ça existe sur d'autres animaux, mais sur le loup, ça n'existe pas. Donc je sais qu'on a des éminents spécialistes dans notre région qui prétendent connaître les loups et les appeler par leur nom. Alors là, ils sont plus forts que nous, parce que c'est pas vrai. Là, je peux vous assurer que c'est pas vrai. Alors, ceci... Pardon, je n'irai pas jusqu'à là, mais on s'est compris. Donc voilà, c'est très très compliqué, même quand c'est aux mêmes endroits. On a des fois des clichés qui nous prennent, je pense, sur l'Aubas. On a un appareil qui nous prend un loup à 11h du soir. Il monte, un quart d'heure, 20 minutes après, on va redescendre avec un marcassin dans la gueule. On sait que c'est le même. Là, à ce moment-là, on voit, parce que bon, on l'a vu rentrer, on l'a vu sortir. Mais au-delà de ça, un qui boite parce qu'il y a un qui a la queue cassée, un truc très particulier, on arrive à reconnaître. Mais là, cette louve, si c'est la louve, puisqu'elle a ses petits derrière, elle a l'œil là, elle est passée à la barbelée, un truc comme ça, mais peut-être qu'un jour après, elle a l'œil ouvert, on ne la reconnaît plus. Donc, c'est très très compliqué à reconnaître. Cette louve, sur la patte antérieure gauche, on ne voit pas la tache de loup italien. Oui, sur l'antérieure gauche, oui. On voit bien. On m'a toujours dit que les loups italiens, ils avaient le listeré noir. Là, on ne le voit pas. C'est pas évident, hein, les photos, comme je vous disais tout à l'heure, suivant la lumière qui va rentrer sur le piège, suivant la végétation que vous avez au sol, suivant l'angle, vous allez voir, il y a d'autres photos où on le voit très bien, mais bon, là, c'est vrai que j'aime pas rien. Hein. Non, vous avez parfaitement raison, je vais vous dire, enfin, franchement, moi, comme Mallory vient de vous le dire, je n'ai pas remarqué non plus. Parce que c'est vrai, pourtant, on les visualise, les photos, mais... Une question technique, vous parlez de photos tout le temps. Moi j'ai un piège qui me donne la possibilité de faire des vidéos. C'est un choix technique de ne pas faire de vidéos, c'est il y a une raison. Oui, c'est un choix technique. Alors les premiers Reconyx qu'on avait, ils sont très performants, mais par contre ils étaient performants sur la partie photo et pas sur la partie vidéo. Voilà. Nous l'idée c'était vraiment de choper la meute et je pense que le fait qu'on le laisse en partie photo, tant qu'il va détecter, il va déclencher le nombre de photos. Je prends la meute de 13, il a fait, je vous dis, plus de 200 photos en 10 secondes. Si on l'avait mis en vidéo, il faut paramétrer un temps. Donc soit on fait un choix de dire, on met une vidéo de 5 minutes, et à ce moment-là, si le bestiau il passe en courant, ben pendant 5 minutes, ça nous bouffe de la carte et ça nous bouffe des piles. Soit on met un temps très court, 20 secondes, et à ce moment-là, ben 20 secondes. On a eu la chance qu'il passe assez vite, cette raison, mais il pourrait passer très doucement. Il y a des moments, vous allez voir, il s'amuse devant le piège. Donc si on a mis 20 secondes, on n'aurait jamais non plus chopé les 13 secondes. Donc,
C'est une question qu'on se pose. Maintenant, on arrive à 3 ans de recul sur ces pièges. Il y a peut-être quelques-uns qu'on va essayer de mettre en vidéo, mais c'est pareil, ça dépend du lieu de pose. Si vous le posez en coulée, si vous le posez sur une souche, si vous le posez sur un chemin. Ensuite, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Voilà. Nous, honnêtement, hein, on n'est qu'à nos débuts sur l'utilisation des pièges. Hein. Je vous dis, il y a 3 ans de recul. Est-ce qu'il détecte la présence des pièges les... Attendez, il y a une question. Bon. Est-ce qu'il détecte la présence des pièges des loups, je veux dire... Alors, moi j'en ai un, hein, parce qu'il y a la lumière rouge, il ne voit pas, mais il tourne la tête parce qu'il voit ce... Nous, on est en LED noir, donc il ne détecte pas de lumière. Mais par contre... On a remarqué toute la faune sauvage qui est passée devant. Vous avez vu, on a plus de 100 000 clichés de faune sauvage. S'il y en a un qui détecte le piège, c'est le loup. Effectivement, pourtant, on n'entend rien. Même nous, on s'y est mis très très près. On n'entend rien au niveau déclenchement. Mais lui, il doit avoir une oreille où il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui fait qu'il entend. Et on a eu des cas où le loup a fait demi-tour devant le piège. On a eu des cas où le loup a eu peur et on voit qu'il rentre la queue avec les différentes photos. Là, vous verrez la photo de la fin, à un moment donné, on voit qu'ils ont capté le piège parce qu'ils sont tous là à le regarder. Et, limite, ils ont même, ils prennent plaisir à détecter le piège parce qu'ils jouent avec. Ouais. Donc, les objectifs qu'on s'était fixés, plus d'en apprendre sur la connaissance du loup. Voilà. Donc, on a des hypothèses qui sont en train de se dessiner sur tout ce qui est organisation spatio-temporelle, notamment sur le secteur de mouvement clientèle. On voit bien que le loup utilise son territoire, pas de la même manière toute l'année, qu'il va l'utiliser en fonction de la présence de la tanière et de l'élevage des jeunes. Donc, cette année-là, c'était sur les oncelles. L'année prochaine, ce sera peut-être un peu différemment. On a bien vu la différence, le nombre de fois où les pièges ont se matché plus quand il se concentrait sur les troupeaux domestiques, quand ils sont montés en alpage sur Fondure, Lamberle. On a vu aussi, une fois que les troupeaux étaient redescendus, c'est au moment où le brame a commencé vraiment sur Lambelle, et là on a vu régulièrement le passage du loup, alors que sur les autres pièges placés en contrebas, ça se matchait moins. Et puis après, voilà, l'automne, il reprend son cirque habituel, il repasse sur tout son territoire, il remarque son territoire avec des excréments et de l'urine qu'on a pu récolter. Ces pièges photos nous apportent beaucoup sur la connaissance du loup, mais ils nous apportent aussi sur la faune sauvage en général. Voilà. Comme je vous dis, on a plus de 5000 clichés, on a appris plein de choses, hein. On a vu, pour la petite anecdote, mais je vais faire vite, hein, on a vu des éterloups têter encore la femelle chamois pendant que le cabri était couché derrière et qu'il attendait son tour. Alors ça, c'est des données, on n'aurait pas supposé, une prédation de renards sur du marcassin, hein, voilà. On a toutes les naissances aussi qu'on peut arriver maintenant à dater. La repousse de l'herbe, ça paraît à rien, mais voilà. On voit nos bêtes aussi remonter, des passages qui sont plus utilisés par les cerfs que par les biches, et inversement. Donc voilà, la martre qui joue beaucoup avec l'objectif du piège photo. Donc, on a des données hyper intéressantes sur toutes nos espèces et pas que le loup. Juste une petite information complémentaire d'observation. Je dis bien, c'est encore rien de scientifique, mais c'est des observations. À force de travailler sur cette espèce, on se rend bien compte qu'on parle beaucoup des déplacements de loups qui font des kilomètres et des kilomètres. Alors moi là-dessus, j'ai un avis qui est personnel, et malgré qu'on ne puisse pas reconnaître les loups, puisque je viens de vous le dire, et je ne vais pas me contredire que la reconnaissance faciale est impossible, mais on se rend bien compte que la saisonnabilité et les loups qui tournent, donc qui descendent avec des troupeaux, qui montent avec des troupeaux, qui descendent avec le brame, et on se pose la question si vraiment ces loups bougent autant qu'on veut bien dire. Ils connaissent le territoire parfaitement, ils l'exploitent au maximum, et très honnêtement, des loups qui font 100 km dans la nuit ou 50 km, qu'on a essayé de nous le dire, moi j'y crois pas. J'y crois plus parce qu'on se rend compte qu'il a compris, il a suffisamment de faune sauvage, il a suffisamment d'animaux à prédater. Malheureusement, il y en a encore et je ne sais pas pour combien de temps, mais tant qu'il aura assez, moi je crois qu'il ne bougera pas. Et les autres deux ZPP, telles qu'elles sont identifiées, c'est pas la peine d'aller les chercher. On ne peut pas dire que le même loup est ici et qu'il demain il est dans le sud de la Drôme parce que j'y crois pas. Voilà. Je reprends le fil, on fait vite. Donc là, c'est quelques petites photos, j'espère que vous allez les voir. Ce qu'on vous disait, donc déclenchement nombreux et réguliers, donc on a mis en évidence la présence de plusieurs individus, 2, 3, souvent 3 individus, jusqu'à 13. Voilà. Donc les 13, on les a pris une première fois en octobre, et puis on les a repris en décembre. Là, ils sont très certainement en train de s'éclater. Donc là, c'est des photos de la meute de 13. Hein. En haut, vous avez très certainement le loup très certainement un subadulte, et le souffre-douleur. On le voit avec une blessure à la patte, on l'a de manière régulière, donc lui, effectivement, quand on le revoit, on dit, bah lui, il est là. Et puis après, vous avez les autres, c'est là que je les ai mis, parce que
On ne sait pas si c'est un jeu social entre eux, une histoire de dominance, ou alors simplement un subadulte qui va demander, la nourriture à l'intérieur de la bouche d'un plus gros. On voit que le deuxième est bien plus gros en bas. Voilà. Ça, on sait, c'est documenté. Bon, ben là, on l'a mis en photo, on se dit que c'est sympa de le montrer. Voilà. Et je rebondis sur ce qu'a dit Michel tout à l'heure. Voilà, nous, on n'arrive pas à individualiser les gens. On voit éventuellement, bon, le louveteau, il n'y a pas de souci. Le subadulte, on arrive à leur reconnaître un petit peu à la largeur du cou. Mais après, une fois qu'ils sont adultes, suivant la période, ils n'ont pas le même pelage. Suivant qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, ils n'ont pas du tout la même couleur. Voilà, suivant la lumière du soleil qui rentre sur le piège, ça nous change toute la donne. Donc, voilà. Et dire un mâle ou femelle, sur le nombre de photos qu'on a, on ne doit avoir que 3 ou 4 photos où effectivement on a le loup qui passe très très près en été et où on arrive à voir effectivement c'est un mâle. Sinon. Comment ça se fait que la meute était aussi grosse? Je pense qu'il y a assez à manger, du coup, il avait de quoi se nourrir et de quoi. Sur Volvan Charenton. Voilà, c'est une zone qui est tranquille, hein, donc, avec du grand gibier à proximité, des troupeaux domestiques un petit peu de partout. Pas d'hiver rigoureux. Combien de photos à peu près de jour et combien de photos à peu près de nuit? Est-ce que vous observez qu'ils se déplacent aussi bien la journée que la nuit, mais une proportion? On sait qu'ils se déplacent la journée. Mais pour vous, quelle est la proportion de déplacement de nuit? Quelle est la proportion de déplacement la journée? Moi, je dirais que c'est 50-50 parce que, de ce que j'ai de mémoire, on a quand même des photos de jour, mais qui ressortent avec la végétation noir et blanc. Voilà. Donc, ce que je vous disais, suivant l'entrée de la lumière, à la vitesse où il passe, il va plutôt déclencher sur du noir et blanc que de la couleur. Mais on a toutes les heures, on a toutes les températures, on a toutes les saisons, et je vous dis aussi bien de jour que de nuit. Donc, ce qu'on voulait essayer de montrer, c'est est-ce qu'il se déplaçait plus sur les coups de 4h du matin, ou plus. Ça, pour le moment, on n'y arrive pas. C'est pour ça que je vous dis, le dispositif, il faut vraiment qu'il vive une dizaine d'années pour qu'on arrive, peut-être, et encore. Est-ce que vous avez déjà pris en photo des chiens en éducation ou les patous, les chiens protecteurs? Alors, les chiens, oui. Oui, vous avez bien fait de lire justement parce que ce piège-là, en plus, avant qu'on attrape, qu'on flash la meute de 13 loups, on a un chien tchèque qui passe et donc le collègue m'appelle et me dit oh, là, il y a un loup qui est bizarre parce qu'en plus, plein soleil. Donc effectivement, il nous paraissait très très pâle. Voyons, celui-là, il y a un souci, quoi. Et heureusement, la photo d'après, on a la nana qui se promène avec le chien. Oui, mais des chiens divagants ou des chiens errants? Est-ce que vous avez on a les deux. Je me trompe. On a les chiens, et à un moment donné, soit on est en période de chasse et on les a identifiés. Sur la meute de la Rouanne, effectivement, à un moment donné, on a eu deux chiens divagants. Donc là, les services de l'État ont été missionnés et ils ont réglé le problème. Ils avaient un, en plus de ils avaient un propriétaire. Ils avaient un propriétaire. Mais des chiens errants. Non. Mais de toute façon, il n'y en a pas. Le premier chien qui divague sur une zone à loup, il est mort. Moi, j'ai une photo. Non, mais moi, je sais, mais c'est bien que vous le disiez. Mais je vais vous dire, on l'a vu sur GSM. Parce que les pro-loups, ils disent qu'il y a plein de chiens errants. Donc, vous, par les appareils photo, vous dites ou vous dites pas. Voilà. On a une photo sur un GSM. Où on a le chien de chasse, avec le collier GPS qui passe, on a vite appelé le président de la CCA, parce que en moins d'une heure après, on a le loup qui est exactement derrière. Bon, heureusement, il avait un collier GPS, le chien a été retrouvé tout de suite. Mais nous, tous les chiens, enfin en tout cas, je parle pour la meute que je connais bien sur Bouvante-Lancelle, le chien qui, de chasse qui n'est pas rentré sous 48 heures, c'est pas la peine, il est mort. On avance. Là, la diapo, donc, c'est le test GSM. Hein, je vais faire court. Hein. Donc, on a posé les GSM avec l'éleveur. Je ne reviens pas sur toute la problématique du paramétrage téléphone, de l'appareil et des problèmes de réseau. Donc, c'est ce que je vous disais. La première photo en haut, c'était un samedi. Donc le loup passe devant le piège photo, moins de 20 secondes après on reçoit la photo sur le téléphone, on s'appelle, on se dit voilà effectivement c'est le loup, l'éleveur était juste un petit peu plus haut, hein, 80 mètres au-dessus, là on a nettoyé la zone pour pouvoir mettre le piège photo et pour qu'il ne déclenche pas 30 000 photos dans la journée. Mais sinon c'est beaucoup des genêts, des lavandes, voilà, c'est très très, c'est une zone qui est très fermée quand même.
Donc le loup a déclenché sur zone, l'éleveur était au-dessus, il a prédaté une ou plusieurs brebis, je ne me rappelle plus, mais une c'est sûr. Bon, les vautours étaient sur zone, ils ont déplacé la brebis devant le piège photo en plus, voilà. Et toute la nuit, le piège photo a déclenché, on avait donc toute la meute de loups qui est passée dessus à manger. Bon, moi le matin quand je me suis levé, j'ai regardé le piège photo, j'ai dit voilà, 33 photos, j'ai utilisé du loup, j'ai dit ben, c'est bon. Et ben, le matin, petit matin, 6h15, il repasse sur un piège photo qui est au col, donc à déjà 2-3 km de la zone. Donc quand on dit que le piège photo peut aider à prélever un loup, voilà, ils sont partis tranquilles. Malgré tout, il y a quelque chose de récurrent et qu'on a pu mettre en évidence grâce à ces pièges photos, c'est le retour du loup sur la carcasse. Et là, on a vu un appui des gens qui font l'intervention, parce que nous, chasseurs, on n'a pas le droit, mais disons, on a pu aider l'ONCFS là-dessus, les brigades loups, en leur disant, attention, systématiquement, c'est 90% des fois, aujourd'hui on le sait, une brebis qui est prédatée dans la nuit, si on ne la touche pas, si on la laisse en place, le lendemain, si ce n'est pas tout consommé, ils vont revenir, ils vont finir de manger ce qu'il y a à manger, avant d'aller attaquer à côté. Donc ça nous permet de faire des interventions dans le futur, et d'être plus opérationnels. Il y a eu deux interventions cette semaine, hein, où on est retourné, oui, ils sont retournés sur zone le lendemain, et ben, la nuit même, il y a eu deux tirs malheureusement manqués dans la semaine, mais voilà, c'est récurrent, et ça nous a permis, ce système-là nous a permis de mettre ça en évidence. En Italie, ils ont les remboursements qui sont inférieurs au coût d'équarrissage. Et donc, ils ont trouvé le truc, ils ont dit, de toute façon, ça ne sert à rien de la déclarer, parce qu'on va être moins remboursé. On va perdre de l'argent si on la déclare, donc ça ne sert à rien de la déclarer. Et les Italiens, ils le savent, qu'ils reviennent systématiquement les loups, et donc ils ne déclarent pas volontairement aussi, parce que c'est pognon, mais surtout pour baiser le loup à son retour. On reprend le fil, parce que je crois qu'on est encore plus que court. Hein. Donc, comme vous savez, il y avait donc deux zones. Une zone où on était plus, au niveau des GSM, très proche de l'éleveur, hein, autour de ses parcs de nuit, autour de son alpage, et une zone sur Louvain Clémencel, où on avait toute la problématique des réseaux téléphoniques, où on s'est mis beaucoup plus loin en distance de l'éleveur. Et du coup, là, c'est aussi la faune sauvage qui nous a aidés à détecter la présence du loup. On s'explique. La faune sauvage a des régularités. Hein. Tous les matins, on avait le chabrois qui nous faisait coucou, le cerf, machin et tout. Et quand pendant 2 ou 3 jours, au lieu d'avoir 10-15 photos tous les matins sur le téléphone, vous n'avez plus rien, on se fait des paris. On s'est dit là, il y a un problème, il y a le loup. Alors, soit effectivement, dans la soirée, on avait le loup qui passait sur GSM, soit après coup, quand on a récupéré les cartes SD des autres pièges qui étaient autour, eh ben, on regardait les dates, on savait qu'il était passé. Voilà, donc, on est en train de s'apercevoir que la faune sauvage nous renseigne de la présence du loup avant même qu'il attaque peut-être sur les troupeaux domestiques. Nous, on chasse en montagne. Donc, pour conclure... Vas-y. Alors, moi, je disais, nous, on chasse le mouflon, là-haut, enfin, sur la chaîne. Quand les mouflons sont pas là, c'est que les loups sont là. Ouais, voilà. Voilà. Et ça depuis 20 ans, c'est ça marche à tous les coups. Hein. Vous avez de la chance, en disant, il vous reste des mouflons, il ne vous en reste plus. Et le manque de renard. S'il n'y a plus de renard... Donc pour conclure, le test sur les deux zones est très positif, les objectifs qu'on s'était fixés ils sont atteints mais ils demandent à être complétés maintenant. Les partenaires de terrain, que ce soit les éleveurs, les chasseurs, les propriétaires terriens et les maires de ces communes-là sont très satisfaits et ils souhaitent continuer ce dispositif-là. Voilà, donc le piège photo il peut être un outil. Voilà, pour vous aider dans la surveillance des troupeaux, c'est pas la vérité non plus absolue, hein. ça va dépendre de la configuration du terrain, ça va dépendre de votre meute, ça va dépendre de plein de choses, mais voilà, on continue à le tester, ça peut être un outil. Et là, et dans il ramène les glaçons pour Ricard. La photo d'avant, il ramène les glaçons pour Ricard. La photo d'avant, il a ramené les glaçons pour Ricard. Oui, c'est ça exactement. Ça, c'est un GSM aussi. Donc dans les perspectives, on va essayer, donc c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est une étude qui doit vivre sur au moins 10 ans, on s'en rend compte maintenant. Ça va nous permettre d'affiner justement les schémas d'utilisation, les histoires de quartiers de chasse. Voilà. Ce qu'on arrive à montrer, ou en tout cas à comprendre, c'est que chaque meute est différente, chaque loup va réagir différemment. La meute de Bouvante va pas avoir le même impact et va pas réagir de la même manière que la meute de Larouanne. Alors j'ose pas imaginer d'autres meutes plus au sud ou de nouvelles zones de colonisation. Ça, on le voit bien. Nous, on aimerait continuer notre dispositif. Voilà, c'est à l'étude en ce moment avec notamment le CNRS.
comment on se rend compte que les proies sauvages arrivent à détecter la présence avant nous, avant les pièges de loups. Ce qui pourrait être intéressant, c'est équiper les proies sauvages de colliers GPS. Ça nous renseigne sur les moments où elles sont affolées, les moments où elles dispersent, la vitesse où elles se déplacent. Donc ce serait... voilà, c'est l'idée, on est en train d'y travailler dessus. Le gros souci, hein, c'est le financement et le temps. Voilà, donc là, par exemple, cette photo, c'est la photo de l'année dernière sur la Rouanne, où on avait un loup sur 9. C'est-à-dire que grâce au loup qui s'est assis devant la caméra, en fait, ça a permis de voir tous ses petits copains qui passaient derrière, donc on en avait 5. Lui a bougé, et 12 secondes après, on en avait 4 qui passaient sur ce piège-là. Donc là, c'était encore les bûches d'ailleurs, à l'époque. Et ça, c'est une partie de les photos, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la fameuse photo où en 10 secondes, on a les 13 loups qui passent sur 200 et quelques photos. Je ne pouvais pas les lui mettre, hein, 200 photos, ça fait un peu long. Là, typiquement, c'est sur les pistes, hein, c'est les impliqués sur les pistes, hein, de passement. Alors ça, c'est une photo qui me fait un peu sourire, parce qu'on a sorti cette photo, ben, on était plutôt contents de nous, quoi, hein, c'était une vraie reconnaissance du travail qu'on fait. Et tout de suite après, ben, l'ONCFS et puis des grands spécialistes du loup nous ont dit qu'ils la connaissaient, qu'ils savaient déjà. J'ai l'impression qu'ils la connaissaient avant qu'ils naissent, les loups, mais bon. Mais jamais personne n'avait fait voir. Donc aujourd'hui, on l'a fait voir, on l'a mis à l'évidence, et malheureusement, je pense qu'il y en a d'autres comme ça. S'il vous plaît, Michel. Une petite question. Ça veut dire quoi quand vous dites, ça veut dire quoi quand vous dites qu'une meute ne s'organise pas de la même façon que d'une autre? Comment, enfin, je veux dire, quelles sont les explications? C'est le nombre, c'est le lieu, c'est la faune? C'est la topographie du site. C'est toute l'historique de la faune sauvage qui est autour. Voilà, comment elle a été gérée pendant des années. Je prends le cas de la meute de Bouvante-Lancelle que je connais bah, par cœur, parce que vous avez beaucoup de pistes d'amis. Voilà, donc ça, le loup, c'est des axes qu'il privilégie. La faune sauvage aussi, parce que quand ça fait des mois et des mois que vous avez des cumuls de mètres de neige, à un moment donné, ben, elle a besoin de se déplacer, donc elle prend ces pistes-là. Le loup l'a bien compris. Voilà. Des points d'eau aussi. Il y a des points d'eau aussi, mais... oui, il y a aussi tout l'historique. Enfin, c'est compliqué à expliquer comme ça, là, rapidement, mais nous, Michel, pas. Non, moi, je crois beaucoup à quelque chose, c'est l'éducation des jeunes. Il y a beaucoup de chasseurs dans la salle, hein, j'en vois beaucoup que je connais ici, et je crois beaucoup à l'éducation. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, une meute de loups qui est habituée à prédater des brebis. Les petits vont être éduqués là-dessus, la mère va les amener, l'éducation va se faire sur la brebis. Parce qu'ils ont la brebis à disposition, parce que c'est le sud du département où les brebis ne rentrent pas en permanence, et ces loups-là, ben, c'est comme nos chiens, ils sont formatés, ils sont éduqués là-dessus, et ils vont aller attaquer là-dessus. Des loups qui vont être plus en forêt, avec moins d'animaux domestiques, eh ben, ils vont être habitués à prédater sur des trucs. Donc, ça explique les différences. En fonction des meutes, en fonction d'éducation, le loup a une intelligence redoutable, a un pouvoir d'adaptation incroyable. On le voit bien dans les méthodes de protection. Ils sont capables de détourner n'importe quelle méthode de protection. Hein. Et moi, je crois beaucoup à l'éducation. L'éducation des jeunes, quand ils sont formatés pour taper sur des brebis, eh ben, s'ils en ont à disposition, ils vont aller là. On s'en rend compte sur des observations, notamment. Hein. On voit des loups qui passent au milieu en période de brame, au milieu des cerfs, au milieu des biches qui sont couchées au milieu des brebis, derrière le bas. Ils filent et ils vont taper le troupeau de brebis qui est plus loin, là-bas, sur le plateau d'Ambel. C'est incroyable. Moi, j'ai une question. Je disais, finalement, ces photos, elles vont à qui? Elles servent à quoi? À nous, à quoi elles peuvent nous servir? Je veux dire, mis à part le fait de prouver qu'il y a le loup et que les gens soient dédommagés, mais sinon, est-ce que ça peut servir au fait de dire oui, le loup n'est pas assez compté, enfin, ça va aller à qui? Donc là, nous, on a fait remonter toutes ces infos au niveau d'État. Donc, en premier, c'est le sous-préfet, M. Bouzillard, dans la Drôme. On l'a fait remonter au niveau de l'ONCFS, simplement parce qu'on va reprendre le cas de la meute de la Rouanne. On nous a lancé 3 loups maximum. Là, on met les pièges photos, on arrive à 13. Ça. On ne peut pas suivre toutes les meutes du département, donc je ne peux pas vous dire le nombre de loups qu'il y a sur le département, parce que voilà. Mais ça montre à quel point on arrive à sous-estimer cette espèce-là, mais comme de toute façon, on sous-estime aussi notre faune sauvage. Ça, on le sait par des études de loups, on ne sait pas de combien on sous-estime. Là, en gros, de 3, on passe à 13 quand même. Donc ces données-là, elles vont servir dans le calcul de l'EMR, normalement, qui va sortir fin mai, de toute façon, puisque l'EMR, à la base, il est calculé avec le suivi hivernal sur neige.
comme c'est une zone où il y avait très peu de neige, il y avait peu de sorties, voilà, donc c'est pour ça qu'on n'en détectait sûrement que 3. Et là, avec les fiches photo, 13, donc de 3, vous passez à 13. Si on arrivait à suivre toutes les meutes, monsieur, redites ce que vous m'avez dit tout à l'heure. En fonction des secteurs géographiques, on parle de neige, c'est très important, parce que donc dans le sud du département, où il y a très très peu de neige, et si on veut faire du suivi hivernal, c'est impossible, il faut y aller le jour J, 3 jours après, il n'y a plus de neige et c'est fini. C'est la seule méthode qu'on connaisse à ce jour pour mettre en évidence les zones de ZPP. Aujourd'hui, le parc du Vercors, le parc des Baronnies nous a sollicité pour vérifier justement ce protocole-là, pour mettre en évidence ces zones de ZPP. Parce que vous pouvez bien dire qu'il y a eu de la prédation, tout ça. La zone de ZPP, je vous le rappelle, c'est une zone où il y a au moins 2 individus, une reproduction et 2 hivers de suite. Et ça, vous pouvez le mettre en évidence, malheureusement, si vous n'avez pas de la neige, avec des pièges photos, avec tous ces éléments-là, quoi. Donc c'est ce qui nous aide justement à déterminer qu'on discute sur les zones du ZPP, sur le nombre de loups et tout ça. C'est la seule méthode qu'on connaisse à ce jour. Quand la méthode n'est pas sur la neige, pour les ZPP. Ah oui, absolument. Oui, c'est du suivi hivernal. Donc après, on peut ramasser des crottes, on peut faire des systèmes de traçage génétique. C'est beaucoup plus cher. Quoi. C'est beaucoup plus cher. J'ai deux questions. Juste pour revenir sur le nombre de 13. Ça aurait été un chasseur ou un éleveur sur la Rouanne qui aurait dit voilà, j'ai vu 13 loups. On n'aurait pas cru. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est typiquement français, quoi. Le ressenti n'est pas pris en compte, alors qu'on se rend compte que voilà, il est juste. Là, on a la photo. Alors, c'était une première, mais bizarrement, c'est vrai que ce que dit Michel, tout le monde l'a connaissé, c'est ce que vous dites. On n'en a jamais entendu parler. Je t'avais avant de vous dire qu'on a. Ça tombait bien, c'était pas moi, j'étais déjà. Alors, est-ce que... Dernière question. J'ai deux questions. J'ai deux questions, mais les deux, elles sont très importantes. La première, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que l'Isère, le comité loup de l'Isère, a augmenté d'un seul coup de 3 meutes, parce que c'est grâce à votre travail que vous avez fait, sinon il n'y aurait pas eu 3 meutes de plus. Vous pouvez le répéter que c'est grâce à votre travail? Absolument, oui. Oui, je le confirme. Je le confirme, on a pu mettre en évidence une nouvelle zone de ZPP grâce au piéchage photographique, bien sûr. Et si c'est dans l'Isère, c'est dans quelle zone exactement? Si, ben elles sont marquées sur le. Elles vont paraître sur le. Donc l'ONCFS a diffusé hier ou avant-hier, hein, je l'ai ici, je ne peux pas vous le faire passer, c'est pas que je ne veux pas le faire passer, mais donc on a sur les nouvelles zones de ZPP, effectivement. Comme il va y en avoir dans le département de la Drôme, je vous l'annonce aussi, hein, parce qu'on fait des suivis et qui vont nous permettre d'augmenter les zones de ZPP. Et la deuxième question, c'est que j'ai été filmé à un biologiste qui s'occupe du loup en Allemagne. Il a étudié 20 meutes. Et suite à l'étude de 20 meutes, avec des appareils photo, tous des systèmes pour repérer les loups, du sable sur le sol, etc., enfin, plein de systèmes, il a pu déterminer que les loups faisaient régulièrement le tour de la meute pour délimiter son territoire, en pissant tous les 300 mètres, etc. Donc c'est une question, est-ce que vous avez vu ces loups qui délimitent régulièrement leur territoire en pissant tous les 300 mètres? Et la deuxième question, il disait que pour l'Allemagne qui était plat, ça faisait à peu près 12-13 km de diamètre. Et ces 20 meutes faisaient 12-13 km de diamètre. Alors moi, j'ai tout filmé, j'avais pas envie de mettre mes films là sur YouTube de son intervention tant que je ne pouvais pas vérifier ces informations-là en France. Et j'ai regardé votre document, enfin le document du comité Louis-Isère. Et la moyenne des plus petites meutes, on arrive quasiment aux 13 km aussi. Donc, est-ce que vous le confirmez ou pas, qu'il passe régulièrement pour délimiter son territoire en pissant tous les jours ou quasiment tous les 2 jours avant d'aller chasser? La deuxième question, combien de diamètres en moyenne de vos territoires que vous avez repérés? Alors moi, je vais vous répondre, là, c'est plus sur les sorties hivernales qu'on faisait à une époque. Hein, c'est pas forcément que les pièges photos. Effectivement, on avait remarqué... toutes les 3 semaines, 1 mois maximum, ils reprenaient l'extérieur de leur territoire pour faire des marquages. Donc une fois qu'on avait compris ça, nous on savait où aller pour récupérer tout ce qui était excréments et urine. On avait remarqué aussi qu'il y a une zone, on va dire, de tranquillité entre 2 meutes. Et que du coup la faune sauvage l'avait remarqué, on avait vu ces concentrations-là. Voilà. Après, au point de dire qu'ils faisaient pipi caca tous les 200-300 mètres, je ne me suis jamais amusé à mesurer. Voilà. La distance de tranquillité entre chaque meute. C'est hyper variable d'une année à l'autre. À peu près. Voilà. On n'a jamais mesuré non plus, mais
voilà, on voit bien que le territoire de la Meute peut changer. Il y a un moment donné, la Meute, elle était que sur Bouvante. Bouvante, il y a 10 000 hectares. Voilà. Mais parce qu'il y avait assez à manger toute l'année pour qu'il reste sur 10 000 hectares. Maintenant qu'il y a peut-être un petit peu moins à manger, que la faune sauvage s'est habituée à la présence du loup, donc elle est plus difficile à prédater, que les éleveurs sont présents sur la zone et protègent de toutes les manières possibles à leur disposition leurs troupeaux, ils ont plus de mal à prédater et du coup ils étendent. Mais quelle est la surface de leur parcours? Enfin, moi je peux pas vous dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est une sensation, hein. C'est du vécu, c'est à force d'être sur le terrain, on se rend compte, ce que je vous disais tout à l'heure, que les grands déplacements tels qu'on les annonce, c'est pas tant de déplacements. Mais tant qu'il y a suffisamment à manger, pourquoi vous voulez qu'il aille faire 50 km dans la nuit? Ils ne sont pas idiots, hein. Il va rester là, il connaît bien son territoire, il connaît sa faune sauvage, il sait où il va pouvoir attaquer, il sait où ça a été damé, où il va pouvoir courir pour damer, pour attraper le chevreuil plus facilement. Donc il n'a pas de raison de bouger. Je dis, tant qu'on aura suffisamment de faune sauvage, tant que vous aurez suffisamment de brebis à portée du loup, il ne va pas bouger. Et donc les zones, elles ne sont pas si immenses que ça, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez repéré les tanières? Pas encore. Ils n'ont pas le droit de... Ça m'a coûté cher cette année. C'est vrai qu'on est à la recherche des tanières parce qu'on sait pertinemment et on est intimement persuadé qu'ils reviennent d'une année sur l'autre. Le loup ne va pas faire, même si on le voit en pleine manard, même si on le voit dans les bords du Rhône, il vient faire des excursions, il vient chasser ici, mais il ne va pas se reproduire. Là. Il lui faut une zone de quiétude, une zone de rocher, une zone de tanière. Et c'est ce qui est plus difficile à identifier. Je voulais demander, là, parce qu'il y a, donc, on va dire, entre 20 et 30 ans en arrière, on disait le loup va arriver quand il aura le gîte et le couvert. Voilà. Il se trouve qu'on est, moi, sur la commune où j'habite, j'entends tous les chasseurs qui disent l'année prochaine, c'est plus la peine de prendre le permis de chasse, il oui. n'y a plus rien. Tout à fait. Il y a 2-3 éleveurs de brebis et de chèvres sur la commune. Eh bien, point d'interrogation sur l'avenir, pour les années à venir. Comment est-ce qu'on va trouver un équilibre? Déjà pour, je vais dire, pour les chasseurs et avant tout pour les éleveurs pour ne pas être dans la détresse la plus terrible. Hein. Parce que c'est bien gentil au point de vue écologie d'annoncer que le loup va arriver quand il aura le gîte et le couvert et qu'il faut le protéger parce que pour ne pas qu'il soit une espèce en voie de disparition. Mais la situation inverse, je me pose beaucoup de questions. Hein. Le gros problème du loup, c'est que... Je vais reprendre deux questions simultanément, parce que ça va me permettre de rebondir sur ma suite. Je vais répondre d'abord à madame tout à l'heure qui me posait la question sur la faune sauvage et les chasseurs. Je vous ai bien dit, si vous m'avez écouté en début, que j'étais là l'année passée par solidarité vis-à-vis de notre préoccupation commune sur l'explosion démographique et l'omniprésence du loup dans notre département. Et quand je parle de commune, c'est que je suis bien persuadé, madame, qu'effectivement, on ne s'en sortira que les chasseurs et les éleveurs ensemble. Parce que nous, chasseurs, quand on va voir les services de l'État, ou quand on va voir n'importe quelle réunion et qu'on annonce que nos chevreuils, que nos chamois, que nos mouflons disparaissent et que notre plan de chasse est en diminution et que les populations subissent de la prédation, pour eux, c'est normal. La faune sauvage, on ne l'indemnise pas, et puis le loup, il est là pour manger de la faune sauvage, ça a toujours été comme ça, c'est pas grave. Donc si on veut s'en sortir, nous chasseurs, on est obligé de travailler avec vous. Et je pense que vous, pour vous en sortir, vous êtes obligé de travailler avec nous aussi. Et on a tout intérêt à être unis et ensemble sur le dossier, parce qu'on s'en sortira pas. Alors en ce qui concerne le problème du nombre, je ne suis pas, vous avez bien compris, je ne suis pas un politique, je suis vraiment un chasseur et un passionné. Ils ont compris quand même. Pour les dégâts sauviers dans les champs, comment on fait? On va prendre un problème après l'autre, si vous le permettez. Donc, vous avez bien compris que vous disiez que je ne suis pas un politique et que je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois. Le dénommage du loup, bien évidemment qu'on n'est pas d'accord avec le NCFS. Je tiens à dire que dans le département de la Drôme, on travaille avec le NCFS en partenariat, qu'on arrive à avoir un partenariat qui était compliqué ces dernières années, qui s'est affiné ces derniers mois, hein, je pense qu'on peut l'affirmer aujourd'hui. On arrive à travailler avec eux. Après, même eux, au plein vue départemental, ce qu'il faut remonter, ce qui ressort du national, je ne vais pas m'y aventurer, je n'en sais rien. Nous, on a des ressentis de terrain, on a des observations. Aujourd'hui, dans le département de la Drôme, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une personne, un chasseur, un promeneur qui part en contact avec un loup. C'est pas possible. Tous les jours, nous recevons des photos à la FED, nous recevons des photos sur notre portable. J'arrive à en dire que c'est presque banal. Parce qu'à un moment, quand vous envoyez une photo de loup, il y a 6 mois, il y a 8 mois, il y a 1 an, tout le monde regardait, on se les faisait passer les uns les autres.
Aujourd'hui, les gens ne nous les envoient même plus parce que tous les jours, on a des contacts, tous les jours, on a la prédation sur de la faune sauvage. Donc c'est devenu banal. Et ça, la banalité, c'est compliqué. Donc après, le ressenti, moi je vais vous dire, dans la Drôme, allez, je vais vous faire deux fourchettes. Je vais prendre des risques aujourd'hui devant vous. J'estime qu'il y a entre 70 et 90 loups dans le département de la Drôme. Voilà. Et, officiellement, j'ai pas de chiffre officiel, hein, mais moi je vous dis le ressenti que nous avons sur le terrain en partenariat avec des gens. Donc, officiellement 38. Voilà, on peut le multiplier par 2 voire 3. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que dans le département de la Drôme, on a 75% du territoire qui est concerné par la présence ou le passage du loup. Quand on prend la carte du département, qu'on regarde les points d'attaque, les points de passage, les photos, le positionnement des loups, 75% du département de la Drôme, je pèse mes mots, c'est 75, je suis en dessous de la vérité, parce qu'on s'est amusé à tracer, et on n'a presque plus de zone blanche. Vous prenez le Rhône, et dès que vous êtes 5 km après le Rhône, ça y est, vous avez du loup. On en a de partout, qui passent, qui se font photographier, qui prédatent. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on élève le débat, et qu'on se dise jusqu'à où on va aller comme ça. Il va falloir qu'on arrive à obtenir des services de l'État, de nos politiques, qu'on ait une juste régulation de l'espèce. Pourquoi ne pas réguler le loup, gérer l'espèce loup comme on a fait pour la faune sauvage? On nous a demandé de limiter, tout à l'heure monsieur parlait des sangliers, on nous a demandé de prélever des sangliers un maximum pour baisser les dégâts, et c'est nous qui les payons, donc on sait de quoi on parle. Donc évidemment qu'on a essayé de le faire, on y a réussi en partie dans le département de la Drôme. Mais la gestion du loup sur le plan national, les 500 loups, moi je dirais qu'aujourd'hui ça ne m'intéresse plus les 500 loups. Les 80 loups à prélever ou 85 loups, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis intimement persuadé, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du loup. Votre problème à vous de la prédation est notre problème à nous sur la faune sauvage. La seule vraie question qu'il faut se poser, c'est quand on va arriver à leur faire comprendre qu'il va falloir réguler le loup, non pas au niveau national, parce que ça ne veut rien dire au niveau national. Peut-être que 85 loups, c'est trop au niveau national. Il faudrait par contre en prélever 50 ici. Il faut le gérer comme on a géré la faune sauvage. C'est simplement du bon sens. On a perdu le bon sens dans ce pays. Hein, on est bien d'accord, on a perdu la notion du bon sens. Il faut qu'on prélève des loups là où ils sont. Et là où il y en a trop, il faut qu'on arrive à faire baisser les populations. Et donc, c'est ça. Peut-être que dans un département, il faudra en prélever 25, dans l'autre département, il faudra en prélever 5, je ne sais pas. Mais il faut qu'on arrive à écouter des gens du territoire, des gens qui sont en présence du prédateur. Parce qu'aujourd'hui, le loup, ce n'est plus un prédateur, c'est un super prédateur. Il a pris notre place. Avant, c'était l'homme qui régulait tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus moyen de réguler. C'est le loup qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui est le super prédateur en France. C'est ce qu'il veut chasser l'humain. Et moi, je vais